Voilà, il y a trop de trucs qui sont passés. Alors, dernier mois, trésor, voilà. Bon, vive la carte, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un masque élégant. Ouais. On va dire un truc à vendre. Et tout droit, il y a une porte. Et par là, je crois que c'est un marchand. Ah non, faut que je recommence tout. D'où l'échelle? Il y avait un espèce de marchand là-bas avec une porte rouge. Trop bizarre. Ah, c'était là. Je sais pas si on peut sauter n'importe quoi. Ouais, on va dire oui. Welcome. Bah t'étais bien caché, tu dois pas vendre grand chose ici. Nouvelle liste. Ouais, je pense qu'on peut optimiser les armes que quand il y a le truc rouge. La bannière rouge, sinon c'est pas possible. Ah, j'ai 40 000, c'est pas beaucoup. Ah, du coup, je pourrais vendre mon fusil, ça me ferait de la place. Pareil, je suis con parce que j'ai deux fusils, ça sert à rien. Les 10 balles qu'il y a dedans, ça fait un peu chier. Ouais, mais non, l'autre c'est un fusil à lunettes, c'est pas pareil. Arrête de raconter des conneries. On va dire que c'est par là. Encore un fou en train de prier bizarrement. Le mémo du gouverneur. Depuis de longues années, Les Salazar dirigent ce château. Cependant, il existe des zones d'ombre dans le passé de ma famille. Ah, c'est pas le petit là? J'ai libéré les plagas des profondeurs de ce château et je les ai donnés à Lord Sadler. Ouais, je pense que ça va être le petit qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, mais si, il est en photo. Attends. Non, je sais pas. Rester caché. J'ai envie de faire un suplex. Ah merde, je tape à côté, putain. Merde.
Oh tiens. Putain même pas. J'aurais dû attendre un peu avant de taper ce truc là. Je crois que c'est le moment de tester cette nouvelle arme. Oh le bâtard, je l'avais pas vu lui. Le temps qu'il faut pour tirer. Non, là, j'ai eu. Ouh. Ah, il bouge le petit con. Oui, c'est barré, je sais pas. Ouais, elle est partie. Des dragonfly. Comment je vais faire pour aller là-haut? Là, je viens d'ici. J'en entends, mais je les vois pas. Serrer les jambes. Personne. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Enfin, je crois, j'ai vu un truc qui bouge. Ouais, d'accord. Ça bug sévère là-bas. Descendre là-dessus apparemment. La classe sera de faire tomber sa clé et lui mettre une balle en... Putain, enfoiré, qu'est-ce qu'il fait? Putain, enfoiré. La classe, ce sera de le tuer et de piquer sa clé, c'est tout.
Ah, la bonne salle au trésor. Comment je vais faire pour... Ah, faut que je retourne là-haut. Mais attends, il va m'emmerder, lui. Comment je peux descendre? Faire un trou dans le mur naïvement, mais non. Voilà, j'avoue, je sais pas trop, je peux remonter peut-être. Un levier, y a pas quelque chose, je sais pas. Voilà, c'est le début, mais j'arrive pas à redescendre. C'est con. Ah, c'est peut-être la clé qu'il a, le mec. Voilà, franchement, je vois pas du tout. Pourtant, il n'y a pas 36 couloirs, il n'y a pas 36 trucs à faire. Je suis bloqué en haut, en fait. Ah, j'ai zappé un truc ici, peut-être. Je sais pas. Oh, putain. L'escalier, putain, mais quel con. Oh, l'autre, par contre, attends. Ça me rappelle Micolage dans Bloodborne, faut que tu lui cours après partout. Le mec il disparaît, il revient. Ah, mais il est parti là. Ça t'appelle piquer une tête. Il est costaud ce con. C'était le super chef. Non mais attends. Combien de balles il te faut? Ah, t'imagines mon sniper, il a fallu je sais pas quoi. Pff, oh, attends, je t'avais pas vu. Bon, c'était la clé. Ah, ça c'est vraiment Resident Evil 1. Et peut-être le 2 aussi, je crois, je sais plus. Il y avait une tête de biche comme ça qui était accrochée, il fallait mettre des... Je crois qu'il fallait faire tomber un rubis ou je sais plus quoi. On est où là? Je retourne à la porte fermée. Ah, c'est ça. C'était la clé de la galerie. Ah, mais voilà. Un petit rappel des épisodes précédents. Ouais. Bon alors. Ah. Ah, une énigme, il y avait longtemps.
Le sacrifice de 6 vies apportera une nouvelle lumière. Le sacrifice de 6 vies. Appuyez sur le clavier de l'interrupteur. Faut que je fasse 6 personnes sur le truc, en fait, c'est ça. Alors, une, 3, 2, 2. 2, 4. Ben... je fais 1. Ah d'accord, ah, ça va être chiant. 2, 4, 6. Bon ok, il n'y a que 2 phases, donc a priori ça va. Alors, en fait, attends. Là, ça fait quoi? 2, 4. Quatre, cinq, six, merde. Et 3, ça fait quoi? 2, 4, 6. Voilà. Je crois que c'est ça. Parfait. Les énigmes de Resident Evil te feront cogiter et réfléchir et péter un câble pendant des heures et des heures. Get off my back, old man! Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? The puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Je m'attends à un carré croix R2 L2. Non. Si j'avais une petite grenade, ouais, comme ça, ce serait pas mal. Ils sont classe les persos rouges qui l'accompagnent le petit. Enfin, j'ai beaucoup de balles de snipe. Ah. Le problème c'est que c'est long entre chaque tir. Mais une balle et c'est bon. Merde. Ah, j'étais dessus là. Ah, c'est bien le snipe. Qu'est-ce qui reste encore? Toi là-bas. En plus j'ai un sacré stock de balles, donc c'est pas mal. Ouais, une balle terminée. Plutôt que de défoncer le stock de fusil à pompe et tout. Tirer dans son truc. Hein? Je peux l'avoir là, ce serait pas mal. Parfait. Ah ouais. Ils sont où, eux?
C'était bien des lance-roquettes qu'ils avaient, il me semble. Il me semble, hein, j'étais pas sûr, il me semble bien que c'était à deux lance-roquettes en plus. Alors, il y a une porte en bas, je suis pas là en haut. Je regarde juste s'il y a un petit peu de loot, j'en ai buté pas mal un peu partout. Fermé. Bon alors, elle était où cette porte? Faut que j'aille où là? Un petit coup de carte. Par là, mais c'est fermé a priori. Aurais-je loupé quelque chose? Y a pas un truc qui brille là-bas? Je pense pas que ce soit ça, mais non. Peut-être que c'est la porte là-bas. Oula. Bon, on va aller là. Il y a une autre porte en face, j'ai vu. Herbe jaune. J'espère que c'est l'autre porte. Si j'y ai pas déjà été. Ah, c'était ma dernière chance. Franchement, je sais pas du tout où aller après. Système de sécurité est activé. Il faut d'abord que je le désactive. Je crois que ton esprit de réflexion, Léon, est... Alors, ces systèmes de sécurité. Il y avait tout ce truc. En face. J'ai rien vu. On va dire qu'il est en face. Ah, il n'y a pas de porte ici. On va se fermer. Non, c'est pas là. Bah, c'est en bas alors. Oui, et on saute. Ah, je vois pas où c'est ce truc. C'est une porte avec un petit bouton à la con appuyé dessus pour machiner, je sais pas quoi. Bien faire le tour en bas.
Mais là, franchement, je vois pas trop. Là, c'est fermé. Ah, peut-être là. Un truc à la con que j'ai pas vu. On rase les murs. C'est pas là, c'est là où il y a le truc. Attends. Le système de sécurité a été activé. Il faut d'abord que je le désactive. Quoi, faut que tu tapes dedans, enfin un truc. C'est ici. Ah, l'énigme qui fait que voilà. Il est où ce truc de... Je ne comprends pas. No comprendo. À la cave. Non, il n'y a rien ici. Ça va un truc, quand je vais trouver, je vais faire « Oh non, c'était ça. » C'est pas là, quand même. J'appuie sur un truc, je trouve une salle, un levier, quelque chose. Franchement, c'était ça. On dirait un système de sécurité. Oui, vas-y, on appuie dessus. C'est bien. Ouh, ça, c'est le coffre. Et ça, c'est l'arme ultime. Ils sont où? Ils sont où? Je les vois pas. Ils m'ont défoncé. Ah ouais, niveau des herbes, je suis pas mal. Hein. Voilà, je suis full, c'est bien. Voilà. Ouais, c'était juste au-dessus de moi, apparemment. Bon, faut absolument que je vois où ils sont parce que comment ils font mal. Bon, je vais prendre l'objet, ils vont me mettre plein à la tête. Voilà, en fait, c'est derrière le tableau, ils tirent une fois et ils se cassent. Comment je vais avoir ce truc? Ah, d'accord. Non. Je pensais sauter là-bas. Ça une dernière fois. Voilà, faut que je retourne là où il y avait le bouton. Ouais, c'est ça. Alors, c'était où cette connerie?
Ah, l'énigme. Putain, c'est en face. Ici, voilà. Et là, un interrupteur. Oui. Ah voilà. Moi, je pensais sauter comme, enfin, bondir en fait. Et là, je ressors et logiquement. Et voilà. Ouh, ça va être chaud. Sérieux, vous allez rester là, les gars? Le pont, on est reparti. Attends. Attends, il y a bien des espèces de passerelles qui se sont mis pour aller là-bas. Et là, ils sont partis. Faut que je recommence tout. Ah non, oh, j'ai flippé, je fais putain. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Bien protégé quand même. Ah ouais, c'était un truc du tableau. Ornement de chèvre. Donc alors là, il y a deux portes qui sont ouvertes. Pas descendre là. Je crois qu'il y en a une là. Oh, ça c'est. Je suis bien tombé. J'aimerais pas avoir à refaire tout ce que je viens de faire. Putain, c'est quoi ces bruits? Alors on est vers où là? Et l'autre porte, c'était quoi? Ah, c'était là d'où je venais, en fait. Bon, à sauvegarder. Sept heures vingt-cinq. Je sais pas ce que c'est que ces bruits. Deux choix. Tout droit. Et par là, il y a un trésor. Et l'autre côté aussi. On va aller par là. J'ai vu quelque chose. Oh, deux choses même. Putain, c'est lui qui fait ce bruit là. Ah d'accord. C'est les corbeaux de Bloodborne. Il y aura un trésor par ici. Deck. Ouais, 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 mais ça va fermer forcément.
La petite fontaine, pas mal. Oh putain! Mais il est là le vrai trésor. Ouais, forcément. Ouais, faudrait qu'il y ait Ashley. Ah oui, putain! Une, deux, trois. Ah ouais, je pense que ça vaudra le coup de revenir là. Fermé. Ah non. Waouh, attention. Bah, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas été de l'autre côté. Personne. Impossible de l'ouvrir. Un creux circulaire se mécha et est inscrit dessus. Deux lunes n'en font qu'une. Encore une énigme. Peut-être que j'ai pas trouvé les objets qu'il fallait encore. Ah ouais, maintenant il va m'appeler, il va remplacer la meuf maintenant. So, do you like my garden? See, you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Louis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? C'est Louis. Bon bah c'est parti. Parce que lui c'est bestial, ces petits animaux de compagnie, tout à l'heure c'était... espèce de sauterelles qui disparaissent, voilà, un peu chiant quoi. Fusil à pompe, qu'est-ce que j'ai? Pas grand chose. Ouais, je prends ça. C'est les mêmes bestioles que tout à l'heure, c'était bien efficace. Ou des araignées peut-être. Toujours pas vu d'araignées. Pourquoi des chiens? Oh, c'est quoi ce labyrinthe? Faut pas que je m'éparpille. Je suis arrivé de là. On va commencer par la gauche. Peut-être qu'il serait resté enfermé, mais dans le doute, je pense pas.
Il y a deux chemins. Je vais aller par là. Elles sont bien cachées. Des balles. Wow. Ah d'accord. Ok. Même les chiens, ils sont parasités. Bon, elle est bien cette arme finalement. Comment je suis concentré. Pierre de lune, partie gauche. Bon. Ça, c'est fait. Donc, il manque la partie droite. Les balles, ça dégage avec ça. Par là, j'ai pas été. Drôle d'idée de planquer des balles dans des coffres, dans un jardin. Voilà. L'autre côté, j'ai été, je crois. Là, c'est le début. Bon, je vais aller là, mais ça va être fermé. Oh, mais c'est le début, ça, c'est encore plus le début, en fait. Coup de latte dans la grille. Attends, alors, il y a tout à l'heure, j'avais pas été... J'ai dit à gauche. Encore un morceau. Et là, il avait la clé, le chien. Putain, il est costaud, lui. C'est moi qui vise mal. Ah, un petit spray. Là, j'entends plus de chien, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, je sais pas où faut aller. Ah, j'y ai cru. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait encore?
Je crois que c'est tout droit. Par là, je crois que j'ai pas été. Trop de petits chemins dans ce coin, putain. Cool. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Ouais, ça c'est fait. Attends, je regarde juste s'il me faut juste deux morceaux. Alors c'était... Oh, il y a longtemps que je n'ai pas été voir mes trucs. Tiens. Alors ça c'est pour le tableau. Combiné avec ça. Voilà, c'est bon. Je peux me casser. Ouais, j'ai peut-être loupé un truc, mais bon. Pas ce qui m'attend, peut-être que je vais... Je sais pas si c'est un boss le petit là, mais ça me paraît bizarre. Il est tellement petit. Et j'insère ceci. Et là il y a une autre porte, il vous faut la pierre de lune verte. Non, c'est bon. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Et tac, voilà, chapitre 3-2. Et donc, elle est dans les mercenaires. Je m'en rappelle plus de son nom. Mais on peut jouer en tant que perso dans les mercenaires. Là même qu'elle est super speed. Vu que j'ai jamais fait l'histoire, je savais pas d'où elle sortait en fait. Même Wesker, apparemment, on va le réaffronter. Et il y a l'autre aussi avec son arc là, un espèce de militaire. Et il y avait qui d'autre? Ben Hunk, je sais pas trop. Dans quelles circonstances on va le rencontrer dans le jeu? Parce que je sais qu'on peut jouer avec. Mais Wesker et donc. Ah, j'ai déjà oublié son nom, c'est... Alors, la meuf, là, en rouge. Alors, on est arrivé où, là? Sauvegarde, marchand, trésor. Ah, j'ai oublié un trésor, là-bas. Je pourrais retourner. Ça doit être dans ce coin-là. Alors, faudra que je rentre, je descends les marches. Ouais, parce qu'il faut tellement de thunes pour les armes. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être un objet super important, mais...
je garde le plan, alors tout droit, à gauche. Gauche, gauche. Ouais. Gauche. Gauche. Et normalement, il doit être par là. Oh, je suis trop loin. Mais il est en haut. Là-dedans. Attends, là je suis dessus normalement. Ça quand même. Non. Bon bah, je vais pas me prendre la tête. Ou alors faut que je descende de là-haut. Où sont les escaliers? Ouais, mais tant pis, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Je pense qu'il faudra que je me laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Ultime chance. Ça va, il n'y a plus de chien. Faut que je trouve l'espèce de marche et je me laisse tomber du bon côté. Je pense que c'est ça. Marches sont là-bas. Tac, et là, il s'agit de se laisser tomber. Enfin, je crois que c'est ça. Ah, pas du tout, c'est les autres marches. Non, bah je sais pas, laisse tomber, on se casse. Bon, je pense qu'il va se perdre dans son putain de jardin. Peut-être parce qu'il est petit, mais... Faut y aller pour se perdre là-dedans. Alors, une petite sauvegarde et c'est bon, on va arrêter là. Enfin, marchant, les objets, et puis on arrête là. Pas de boss pour cette session. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boss. Sauvegarde. Ah, il est où le marchand? Là-dedans. Non. C'est bon, je peux ressortir. Ah, j'ai de quoi. Ah, il est là. Oh yes. Un miroir orné de perles. Eh ben marchand, j'espère que t'as du cash parce que j'ai des trucs à vendre. C'est bon, attends. Intruse. Ah, c'est la meuf qu'on vient de voir. J'ai oublié son nom. Elle fait prendre l'échantillon.
Ils sont tous encore avec leur vaccin, échantillon, truc pour guérir. Ouais, mais toujours pas son nom. Apparemment, c'est une complice de Louis. Welcome, stranger. Got some rare things on sale, stranger. Ah. Et moi, j'ai des choses rares à vendre. Broken Fly. Par contre, ouais, les munitions de Magnum, j'en ai pas vu beaucoup, donc je sais pas trop si j'en prends de rien. Enfin, c'est pas que j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas vu du tout. Oh putain, lunettes lance-mine. Ça m'intrigue ce truc-là, lance-mine. Ah, j'ai que 66 000. Pff, c'est vraiment pas beaucoup. Et si je vends toutes mes cochonneries, ça va me faire combien? Ah, je peux même... J'avais pas vu que je pouvais vendre de l'herbe. Spinel, j'en ai 16. Ça, c'est bien. 32 000. Ça aussi, ça paye bien par 7. Bam. Œil vert par 4. Ça, c'est les trucs qui disparaissaient, l'espèce de... d'araignée bizarre, papillon... Lampe papillon. 4500. Bon, j'espère que je vends pas des trucs qu'il faut pas vendre. Masque élégant. Pendentif des Illuminados. Ah, j'ai au moins 100 000, allez, 139 000. Ouais. Pas mal, pas mal. Miroir en éclair. Voilà, 150 000. Quasiment 100 000 de trésors. Et là, je peux optimiser des trucs. Le Punisher, toujours. Puissance de feu. Ah ouais, 20 000. Ah ouais, allez. Le reste, non. Ensuite. Fusil à pompe. Contenance, c'est pas mal, ça. Vitesse de rechargement, ouais, parce que c'est assez long. Après. Voilà, comment claquer 150 000 vite fait. Voilà, ouais, non, ça c'est pas la peine. Voilà, je suis revenu au point de départ. Bah oui, on se reverra, l'ami. On se reverra. Alors, la sauvegarde, c'était dehors. Et puis on arrête là. Déjà ? Et où cette putain de machine? Bah, ça fait 2 heures. Alors, je sais pas du tout où j'en suis au niveau du jeu. Moitié, un tiers, un quart. 7 heures pour un Resident Evil, je pense qu'on est quand même à un tiers du jeu, quoi. Voire, ouais, un bon tiers du jeu, je pense. Je me rappelle, ces jeux-là, c'était 10-15 heures max. Enfin, les premiers, le 4, je sais pas.